rapport à l'enfant, etc. Et ça, c'est très important. C'est comme ça, ça existe dans d'autres milieux, à Saint-Échor, à Tolda, parfois à Béligala, où nous passons. Nous avons des cellules SDP, des cellules d'éducation à l'éducation, aux droits de l'enfant, à la fin de la citoyenneté. Ça, c'est très bon que vous puissiez tenir compte de cette, l'existence de l'importance de la création de cette cellule-là. Nous allons revenir sur la définition du conflit, mais faites attention, le conflit n'est pas synonyme de l'inexistence, la paix n'est pas synonyme de l'inexistence du conflit. Non. Vous ne pouvez pas définir la paix comme étant la non-existence des conflits. Les conflits sont inhérents à l'homme. Partout où vous serez, il y aura des conflits. Et parfois, les conflits permettent aux hommes de s'entendre mieux qu'avant, permettent au développement, etc. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas définir les conflits comme étant l'inexistence de la... définir la paix comme étant l'inexistence des conflits. Vous trouverez les définitions dans les documents qu'on vous a donnés, nos outils pédagogiques. Nous avons constaté que quand on a emporté les documents, il y a pouvoir les lire de vos familles. Les définitions à l'intérieur. Voilà, c'est très important. Nous avons apprécié que la mésentente est à l'origine des conflits. Et tous les groupes aussi ont noté que l'existence de la vente de la paix. Ça, c'est très important. Maintenant, nous allons vous montrer un peu quatre étapes importantes pour gérer des conflits. Gérer les conflits, ce n'est pas un néantisme, c'est impossible. On ne peut pas murmurer. Et c'est important. Donc, aujourd'hui, vous êtes déjà les médiateurs. Les élèves, le gouvernement scolaire, forment des élèves médiateurs. Il n'y a pas très longtemps, avec un directeur au lycée, aujourd'hui il est à l'université, après professeur, dans le cadre de la médiation à l'université, l'éducation, la formation. Voilà l'importance de l'éducation. Nous sommes, c'est comme la cristalline, nous sommes fruits du bonheur, pour préparer la jeunesse pour l'enfant. Voilà. Revenons maintenant à l'essentiel. Les élèves s'emmènent devant vous. Ils se battent, ils s'insultent. Eh bien, comment vous allez faire? Quelle est la première réaction? Quelle sera votre première réaction?